Salut à tous, c'est Smashou. On se retrouve pour un combat Wi-Fi. Je vais en filmer, je pense, deux ou trois ce matin parce que je vais m'absenter dans la semaine, enfin ce week-end et la semaine prochaine pour cause de concert avec mon groupe de métal. Parce que oui, je joue du métal. Voilà. Voilà, je vais rentrer donc mercredi ou jeudi prochain. Voilà. Donc on va lancer le match tout de suite, c'est contre Zixi qui est un joueur même si son avatar est féminin. Donc il a Elexprint, Armaldo, Bruivern, un Votutrice, Porygon 2 et enfin Mystigrix. Alors que de mon côté j'avais amené pour ce combat Motisma, forme normale que j'aime beaucoup, Capoeira, Rattatak, un Pokémon que j'ai beaucoup joué aussi auparavant, Darumacho, Hermur et enfin Melodelph. On lance le match tout de suite. Alors, Zixi veut se battre, c'est parti. Donc il envoie en premier son Mystigrix, qui est un Pokémon rapide puisqu'il a Farceur. Il décide de lancer en premier un Mur Lumière, qui va soutenir son équipe sur le spécial. J'avais décidé de faire une balle d'ombre avec mon Duracell Plus. Bon, coup critique, ça commence fort. Du coup, one shot le Mystigrix. Bon, tant mieux pour moi. Il décide d'envoyer son Armaldo. Je décide de switcher, voir un peu ce qu'il va pouvoir nous faire. Et j'envoie mon Tournicotis pour l'intimider. Voilà, j'aime beaucoup Armaldo avec ses yeux là sur le côté. Les fossiles de Rubis Saphir sont vraiment sympas. Vassilis, ses yeux sont sur le côté aussi, dans la bande noire en fait. C'est vraiment classe. Hop, il retire son Armaldo. Il envoie son Porygon 2 qui est vraiment un tank. C'est vraiment un tank. Donc là, en plus, il calque mon intimidation. Voilà, regardez. Close combat. Ça fait juste rien du tout. C'est vraiment très coriace ce Pokémon. Avec l'Evolurock, évidemment. Bon, je décide de switcher. En plus, ma défense spéciale a baissé. Je peux pas vraiment lutter contre ce Porygon. Je décide de renvoyer mon Duracell Plus qui va pouvoir se prendre un coup. Voilà, donc il prend un Laser Glass assez facilement. Donc j'avais hésité là à faire tour magique ou alors un move offensif. J'ai décidé de faire un move offensif, Tonnerre. Qui. Ouais. Bon, qui fait pas grand chose non plus à son Vaututrice, mais qui le paralyse. C'est toujours bon à prendre, une petite paralysie. Donc le hack c'est plutôt de mon côté pour ce début de match. Je décide de switcher parce que je pense que ce Vaututrice va saboter encore. Bon, j'envoie mon Hermur, ça me laissera l'occasion de poser quelques pièges de roc. Bon, le casque brut le touche un peu, c'est toujours ça de pris. Voilà, les restes. Donc il retire son Vaututrice. Bon, et il envoie son Bruivern, probablement avec lance-flamme. Je lance piège de roc. Et là, j'avais décidé de laisser mon Hermur. Je sais pas pourquoi, puisqu'il me l'a one-shot avec lance-flamme. Je savais très bien que les Bruivernes peuvent avoir lance-flamme. J'ai juste pensé qu'il allait penser que j'allais pas switcher. Enfin, que j'allais switcher. Bref, une mauvaise anticipation de ma part. Je décide d'envoyer mon Melodelph pendant qu'il envoie son Armaldo au combat. Armaldo qui prend quand même 25% sur les pièges de roc, donc ça fait mal. Je décide de lancer un pouvoir lunaire dans le switch. Il s'attendait probablement à un move défensif. Mais non, parfois Melodelph il peut très bien attaquer. La preuve, Melodelph parvient à tuer, enfin à mettre KO son Armaldo avec deux pouvoirs lunaires, donc assez tranquillement. Il envoie son Vaututrice. Je me suis dit, ça va être l'occasion de continuer à bourriner, comme il prend cher sur les pièges de roc. Et il est paralysé. Je lance un pouvoir lunaire qui ne tue pas, mais presque. Pendant que lui lance un atterrissage qui va soigner son Vaututrice de la moitié de ses PV. Donc bon, ça s'annonce peut-être un peu long, mais je vais continuer à spammer les pouvoirs lunaires parce qu'il y a bien un jour où il sera paralysé en fait, ou alors il voudra lancer une attaque offensive. Voilà, donc je décide de lancer un pouvoir lunaire. Il décide de faire anti-brume pour retirer mes pièges de roc.
Donc là, son motutrice est quasiment mort, puisque je vais taper avant lui sur du super efficace qui va quand même infliger quand même, enfin, pas mal de dommages. Voilà, son motutrice est mort sous le pouvoir lunaire de mon Mélodelph. Et il décide d'envoyer son Porygon 2. Porygon 2 qui est quand même assez chiant, je savais pas trop quoi lui faire. Donc bon, je me suis dit, je vais essayer le pouvoir lunaire. Donc il fait laser glace qui inflige pas grand chose. Je fais pouvoir lunaire. Bon, des dégâts corrects, mais vraiment pas suffisants pour le tuer rapidement. Les restes. Je décide de switcher. D'essayer une autre solution. Je décide d'envoyer mon Darumacho. Pendant qu'il avait fait conversion 2. Donc conversion 2 qui octroie une résistance à la dernière attaque qui a été faite, je pense. Je décide de faire un demi-tour, je suis banc de choix, donc ça inflige quand même pas mal, même si son Porygon est défensif physique. Et je décide d'envoyer mon Rattaque pendant que lui utilise soin. Ce qui va me permettre d'activer en fin de tour l'Orbe Flamme, qui va monter l'attaque de mon Rattaque, mon Ratigan, de 50%. Malheureusement, il ne fait pas les dégâts que j'avais escomptés. Mais bon, Porygon 2 est quand même très 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 bulky. Donc c'est pas bien grave, Rattaque, bon, il fait quand même du taf en frappant. Bon, il fait soin, il est en train de staller mon Rattaque à coup de soin. Donc voilà, moi évidemment je souffre de la brûlure. Je décide de faire une autre façade. Je vois qu'il continue à faire soin. Je me suis dit, ça sert à rien d'insister. Je pense que Rattaque peut encore servir avec Kuba, notamment. Allez, une dernière pour voir. Ah, il utilise Tonnerre. Bon, il tue mon Rattaque. Je pensais que j'avais switché. C'est peut-être un. Je confonds sûrement avec un autre match. C'est pas bien grave. Donc, mon Rattaque est au tapis. Je décide d'envoyer mon Darumacho qui va pouvoir finir le travail avec un énorme bout de feu, Banshwa. Voilà, ça fait très mal. Darumacho qui est quand même un vrai bourrin avec ses capacités sans limite, qui donne un bonus de puissance de 30% à son bout de feu, notamment à son éboulement aussi. Donc c'est quand même très fort. Bon, Elec Sprint. Je vais switcher, il est forcément plus rapide que moi. Je suis jovial, mais je suis pas Scarf. Je décide d'envoyer mon Mélodelph pendant que lui méga évolue pour bénéficier de l'intimidation, notamment. Mais bon, sur Mélodelph, c'est inutile. Voilà, intimidation qui fait son effet, donc baisse mon attaque. Il lance un tonnerre qui va faire quand même des assez gros dommages hein, sur un Mélodelph qui est quand même. Enfin, il est quand même full PV, full défense spéciale. Hein. Ça fait quand même des bons dommages. Je décide de faire un vœu. Parce que j'ai pas envie de perdre mon Mélodelph comme ça. Je préfère tout simplement lancer des vœux et taper quand je sais que je vais être régénéré. Bon là c'était trop risqué pour frapper. Peut-être me faire tuer par le tonnerre, donc j'ai décidé de faire abri. Lui il avait fait lance-flamme. Ça m'aurait probablement pas tué. Bon c'est pas grave. Donc là je suis plutôt bien. Quasiment full vie, on va dire 95%. Son Elec Sprint continue à faire des lance-flammes. Je sais pas pourquoi pas de tonnerre. Je décide de lancer un pouvoir lunaire qui va infliger quand même des bons dégâts. En plus, qui va baisser son attaque spéciale. Donc c'est tout bénef pour moi. Je peux continuer à le frapper comme ça, tranquillement. Il décide de faire charge éclair. Il a bien raison. Parce qu'avec sa perte d'attaque spéciale, il est moins efficace. Donc voilà, il switch. Il envoie son Bruivern. Malheureusement, le Bruivern est quand même faible au pouvoir lunaire. Donc il va quand même prendre assez cher, je pense, sur une attaque. Voilà, donc je décide de faire un vœu. Là, je pense que je suis assez tranquille pour attaquer. Il décide de me provoquer. Ça tombe bien, j'avais lancé un gros pouvoir lunaire. Le pouvoir lunaire qui va évidemment faire très mal à son Bruivern. Il est dans le rouge. Donc à ce moment-là, je me suis dit, le vœu m'a régénéré, j'ai juste à frapper. Donc lui, il lance une deuxième provoque, je sais vraiment pas pourquoi. Peut-être, je sais pas, il a un peu laissé mourir son Bruivern, on a l'impression. Bon bref, le Bruivern est décédé, et il reste le Elec Sprint.
qui est là, il est toujours présent. Exprint est un bon Pokémon, mais je le trouve particulièrement... Je le trouve assez moche par rapport au Exprint normal, en fait. Voilà, je décide de lancer un pouvoir lunaire qui va infliger des bons dégâts. Pas suffisant pour tuer son Exprint, mais ça ne saurait tarder, vu que je suis quasiment aux deux tiers de ma vie. Et bon, il n'a pas vraiment de quoi me tuer en un coup, sauf coup critique, peut-être, éventuellement. Voilà, je lance le dernier, la dernière attaque du match, qui est un pouvoir lunaire. Exprint est KO. Zixi a perdu. Donc voilà, bien joué à toi, c'était un très bon match. Donc bon, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous! Pendant que j'avais lancé une balle ombre avec mon motisme, il n'y a pas les animations.